Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du livre Tom Patate. Alors, ce n'est pas un livre, c'est une trilogie. Et cette fois-ci, c'est vraiment une trilogie, pas comme le livre des étoiles. C'est un livre que j'ai adoré. Et bien entendu, il y a de la magie et de l'aventure. Alors, par contre, on n'est pas habitué à cette sorte de magie. C'est une nouvelle expérience pour moi. Et ça m'a plu. Ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est l'histoire de Tom qui va. Son surnom d'ailleurs, c'est Tom Patate. C'est un humain, hein, comme nous. Sauf que lui, ce n'est pas vraiment un humain. Il est tout petit. Et il va, comme ça, il va être dans un, il va apparaître dans une pomme de terre. C'est pour ça qu'il va avoir le surnom d'ailleurs de Tom Patate. Il ne sait pas pourquoi et d'où il vient. Il ne sait pas comment non plus. Dans ce jardin, il y a des animaux. Et il va devenir ami avec plein d'animaux. Et il parle leur langue. Il va découvrir au fur et à mesure du livre et des livres qu'ils parlent différentes langues et qu'il peut faire de la magie. Il est toujours à la recherche de ses parents, de sa mère surtout. Il va découvrir qu'il existe un autre univers, le monde des fades. Et c'est là d'où il vient. Et à partir de là, il y a vraiment ces aventures qui commencent. Dès qu'il se met à chercher ses aventures, il va être recherché par des mônes, c'est des fades, mais qui veulent tuer tous les hommes et tous les garçons. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Vous allez adorer. À plus pour la prochaine vidéo.